La joie des fumeuses de poissons d'Abobo Doumé dans la commune d'Atékoubé fait suite à l'annonce du ministre des Ressources animales et halieutiques de construire un débarcadère moderne sur ce site de 3 hectares. Le projet est financé par le Royaume du Maroc. Ce point de débarquement va comporter l'ensemble des infrastructures nécessaires pour réaliser le débarquement de poissons dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions sanitaires. Il y aura un centre de fumage de poissons, il y aura un espace de froid avec une fabrique de glace et une chambre froide, et il y aura toutes les superstructures nécessaires comme des espaces communs avec une garderie pour les enfants. Dans la partie maritime, il y aura un ponton flottant pour faciliter le débarquement des poissons qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Outre l'amélioration des conditions de travail, le débarcadère moderne va générer des emplois. Et de tuer aussi la pauvreté. Parce que regardez les conditions de travail de nos femmes sur le site et les conditions aussi d'hygiène. Tout cela va être corrigé. Abobo Doumé sera un point de repère au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement des travaux de construction est prévu pour le mois de mars prochain. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et le président Alassane Ouattara sont annoncés à la cérémonie de pose de la première pierre du débarcadère moderne d'Abobo Doumé.